Bonjour à tous, aujourd'hui on teste les nouvelles sonnettes et caméras de surveillance connectées d'Arlo, la Pro 3 Floodlight et la vidéo Doorbell. Ces deux produits ont un avantage, ils peuvent s'installer très facilement et rapidement sans devoir tirer des câbles ou refaire toute son installation. Comme son nom l'indique, l'Arlo Floodlight est une caméra d'extérieur qui combine une énorme torche LED très efficace comme ici pour éclairer tout un garage. Elle se fixe avec trois petites vis et n'a besoin d'aucun fil car elle intègre déjà une batterie. L'autonomie est annoncée jusqu'à 6 mois mais d'après nos tests, avec un peu de passage on est plutôt à 1 mois, ce qui est en fait très convenable mais très variable aussi, notamment si vous utilisez beaucoup l'éclairage. Vous pouvez aussi acheter un câble d'alimentation fixe qui viendra charger la batterie ou même un panneau solaire pour être en totale autonomie. Une seconde batterie est d'ailleurs indispensable pour faire relais entre les 6 heures de charge nécessaires, mais tout ça finit par faire gonfler la facture. D'ailleurs, la facilité à venir retirer la caméra pour la recharger pourrait aussi inciter les voleurs à la décrocher, il faudra donc veiller à la fixer bien en hauteur pour éviter ça. Seul prérequis indispensable, la caméra doit être à portée du Wi-Fi. N'hésitez donc pas à revoir nos vidéos sur le Wi-Fi maillé qui permet de relayer les signaux efficacement même en extérieur, surtout comme ici avec des façades en béton armé. La qualité des vidéos est excellente, de jour comme de nuit, on peut aisément zoomer sans perdre le niveau de détail de cette magnifique image 2K ou 4K HDR, ça va varier en fonction de votre abonnement, et la caméra propose un champ visuel très large. On peut bien sûr définir des zones d'activité pour restreindre la détection. Les notifications sont très efficaces, parfois trop, et il faudra restreindre les alertes aux personnes, animaux ou véhicules comme le propose l'IA intégrée, mais impossible de filtrer les personnes de son entourage par exemple. Arlo propose aussi des notifications riches pour voir en un clic l'image repérée. Alors vous pouvez bien sûr écouter, même aussi parler à travers la caméra, elles sont même plutôt de bonne qualité. Bonjour monsieur, qui êtes-vous ? Et en cas d'intrusion, une alarme peut être activée à distance et croyez-nous, elle est particulièrement désagréable. De son côté, l'Arlo Vidéo Doorbell est à cheval entre caméra de sécurité et sonnette. Déjà, on peut se brancher sur une vieille sonnette existante en utilisant son alimentation et même son carillon. Vous pouvez aussi utiliser le transformateur fourni à brancher directement sur le compteur, ça c'est pratique. Quant à l'installation, là encore quelques vis et un petit support suffisent, on l'a branché nous en quelques dizaines de minutes seulement. Comme pour la Floodlight, elle nécessite d'être à portée du Wi-Fi et connectée à Internet. Sans serveur, vous n'aurez aucune alerte sur votre téléphone. Et aucun de ces deux produits n'a non plus de prise Ethernet. La caméra est également ici de très bonne qualité, son grand angle est aussi étendu vers le bas, ce qui permet de détecter les colis qui seront d'ailleurs notifiés par l'IA. Vous pouvez repérer un livreur et ensuite échanger avec lui grâce au micro et au haut-parleur intégré. Oui ? Bonjour monsieur, j'ai un colis pour vous. Oui, vous pouvez le poser par terre, merci. Ciao ciao. L'application a même des messages préenregistrés pour répondre rapidement à un visiteur. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Enfin, la personne peut même vous laisser un message si vous n'êtes pas là, ça c'est assez bien pensé. Comme pour la Floodlight, vous pouvez bien sûr l'utiliser comme caméra de sécurité avec les alertes intelligentes, une alarme et des zones de détection. Si l'image est trop resserrée, vous pouvez aussi la coupler avec l'Arlo Pro pour avoir de meilleurs angles. N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir notre vidéo sur le test de ces caméras. À l'arrivée, nous avons ici deux produits très complets, de bonne qualité, qui remplissent leurs promesses et ne souffrent pas de défauts majeurs. On regrettera quand même la quasi-obligation de souscrire à l'abonnement, qui apporte le stockage dans le cloud, vu qu'il n'y a pas de stockage local, la détection de colis ou encore les notifications intelligentes. On notera aussi l'absence de compatibilité HomeKit pour l'instant, mais bon, ça devrait pas tarder à arriver. La vidéo Doorbell est proposée à 199€ et la Floodlight à 299€, des tarifs auxquels il faudra encore rajouter au minimum 2,79€ par mois pour profiter de toutes les fonctionnalités, et même un peu plus si vous avez plusieurs caméras. Voilà pour ce petit test, si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser bien sûr les commentaires, je vous ai mis tous les liens dans la description. En attendant, on like, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. So I